La sensibilisation vise à conscientiser les élèves. Les changements climatiques sont devenus une réelle préoccupation mondiale. Informer les élèves sur les causes et conséquences des phénomènes climatiques, c'est l'option que prennent aujourd'hui les acteurs publics mais aussi privés. L'objectif est de limiter leur impact sur l'environnement. Les jeunes sont informés désormais sur les actions que nous posons dans la société. Ça doit être des actions responsables. Chacun doit agir de telle sorte que ces actions-là ne puissent pas porter atteinte au climat et conseiller aux autres également de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter que le climat tel qu'il est observé aujourd'hui puisse devenir de plus en plus grave que ce qui était avant. Pour le réseau des acteurs du développement durable, l'éducation des plus jeunes aux enjeux environnementaux figure parmi les chemins du salut pour la préservation de la planète. Les enjeux liés à la protection de l'environnement ne concernent pas seulement les adultes, les scientifiques ou les hommes politiques. Ça concerne toutes les couches de la société. Bien que jeunes aujourd'hui, demain seront des acteurs, demain seront des scientifiques qui peuvent s'orienter sur les domaines liés à l'environnement. Les participants ont exprimé la volonté de changer leurs habitudes de vie pour préserver la planète. Nous devons être responsables de nos actions que posons sur la nature, prendre en acte leur action sur l'environnement. Pour l'ONG et le réseau des acteurs du développement durable, le pari est difficile. Aussi, après le lycée de la Révolution, l'association entend poursuivre cette expérience dans d'autres établissements scolaires de Brazzaville.